Je suis certes compositeur, mais moi je me considère plus comme un artiste en fait. Avant d'être un compositeur, et je dirais même avant d'être un compositeur, après artiste, j'ajouterais musicien en fait. C'est-à-dire je suis dans la pratique du corps, dans la pratique aussi du monde. C'est-à-dire qu'un artiste pour moi est quelqu'un qui est dans le monde. Et très souvent, on a quand même toujours un peu cette vision du compositeur qui est quelqu'un de très isolé, qui passe beaucoup de temps seul à produire des partitions, etc., etc., et qui finalement arrive au monde un peu au moment où ses œuvres naissent. C'est pas mon cas en fait. Moi, je suis quelqu'un qui vit, agit, compose, travaille, produit dans le monde en permanence. Donc, je suis quelqu'un qui est très nourri par ce qui se passe autour de moi. Après, j'ai aussi une particularité, c'est que dans mon travail, j'ai toujours finalement utilisé des médiums extra-acoustiques, c'est-à-dire que j'écris très peu de musique acoustique, de musique pour des musiciens acoustiques, où j'utilise toujours beaucoup le microphone comme un instrument finalement, les sons électroniques, la vidéo, les lumières, la mise en scène, l'écriture du geste, etc. Donc j'embrasse un champ finalement assez large. Respire est une pièce symptomatique, finalement, de ce que j'évoquais de mon travail assez ouvert, finalement, sur des horizons différents. Puisqu'en fait, dans le cadre de ce projet, j'ai été à la fois vidéaste, chorégraphe, compositeur pour des instruments traditionnels, mais aussi compositeur d'une bande son très électro. Et finalement, tout ça ayant pour point d'appui une réflexion sur des champs essentiels du corps, puisqu'en fait Respire fait partie d'un triptyque, c'est un grand projet en cours qui s'appellerait Respire, mange et dors. Et ce sont donc finalement les choses essentielles à l'être humain qui passent complètement au-delà des époques, au-delà des conjonctures socioculturelles, etc. Et j'ai eu envie en fait de questionner la problématique de la respiration dans le monde d'aujourd'hui, constatant que finalement l'accélération de la société, la démultiplication des moyens de communication, l'urgence, la quête du soi, le nombrilisme, l'hyper-individualisme, etc., contraignent finalement notre corps à ne plus respirer de manière convenable. La première partie est vraiment une partie qui montre des processus de respiration. Donc j'ai filmé en gros plan des ventres de ces danseurs en train de respirer, sauf que je leur ai donné une partition. Donc là, ça c'est intéressant parce que moi je ne suis pas chorégraphe, j'avais aucun outil chorégraphique dans mon dialogue avec les danseurs. Par contre, je suis musicien, donc je leur ai écrit en fait des grilles de respiration. Et ces grilles suivent un processus très simple qui est un processus de mécanisation, je dirais, de plus en plus difficile, de plus en plus tordu, de plus en plus impossible. Donc là, j'ai travaillé en premier lieu les films avec les danseurs au moyen de ces partitions, je dirais, un peu rudimentaires. Et après, j'ai fait une orchestration de tout ça en ayant recours à l'écriture d'ensemble. La contrainte du corps par la musique, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, le compositeur, de toute façon, au-delà du fait qu'il produit des notes, donc des hauteurs, donc des mélodies ou des harmonies ou des continuums, des rythmes, etc., il produit aussi du corps en permanence. Quand on a travaillé avec David Coste sur la réflexion quant à la réalisation finalement d'un espace qui pourrait exprimer le non-lieu, etc., on a eu envie de travailler sur un espace totalement blanc. Il y a une petite référence au premier film de George Lucas, THX 1138, réalisé dans les années 70 et qui présente justement un espace blanc comme un espace presque carcéral, hein, un espace où on est placé, on nous met dans ce blanc finalement quand on a fait des choses qui ne vont pas.
C'était aussi pour nous un outil finalement pour pouvoir reproduire un espace qui n'en est pas un, avec tous ces corps que nous avions filmés séparément. Et la collaboration avec David, c'est une collaboration qui s'inscrit aussi sur le long terme. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé plusieurs fois. Là, dans ce projet, il a eu la charge en fait de réaliser cet espace et le grain de l'image aussi. C'est quelqu'un qui a, voilà, il a saturé un petit peu ces images pour rendre ces corps finalement presque artificiels dès le début. On les perçoit, on ne sait pas trop véritablement si ce sont des humains ou si c'est déjà un petit peu des avatars. Et la problématique de l'avatar, évidemment, on la découvre à la fin quand tous ces corps sont démultipliés de manière monstrueuse dans la dernière séquence en fait du film. 1, 2, 3.